Ce matin, on avait fait, enfin ce matin, il était quand même 6h du matin, on s'était fait la partie 3. Et puis j'ai eu envie de faire quelques réglages sur Twitch. Et puis je me suis dit, allez, là j'étais faire quelques courses, j'étais me chercher mes médicaments, vous savez, parce que j'aime bien en prendre, déjà. Et puis je me suis dit, allez, Romain. Excusez-moi, en même temps, je suis en train de mettre le. Je suis en train de mettre le chat où il y aura des centaines de milliers de personnes, comme d'habitude. Enfin bon, je vous dis tout ça. J'ai eu envie de streamer, voilà. C'est ça que je voulais en venir. J'ai eu envie de streamer et ben on va streamer. Voilà, hein. Je pense que on est venu pour ça. Ah, c'est pour ça que vous venez. Oh là là, la caméra, qu'est-ce que fout là? C'est les aléas, ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà, on va se mettre comme ça, là, on est bien. Voilà, elle est pas trop grande, la caméra. Ça va, ça vous fait pas trop chier, là? Non, c'est bon. C'est bon, là, on est bien. On est bien, on est bien. On est bien, on est prêt. Ah, c'est les aléas du direct. Hein, que je voulais que je vous dise. Voilà, on stream à la va-vite. On stream à la va-vite, puis on fait des erreurs. Bon, on se retrouve donc sur le bateau. Alors j'ai mis le son du jeu un peu plus fort, hein. J'ai fait beaucoup de tests. J'ai téléchargé un plugin encore. Enfin, j'ai bouiné pour votre confort, pour vous gâter. Allez, c'est parti. Maintenant, on a réussi à s'échapper de cet enfer de glace, hein, dans la partie 3. Et on a fini le... Non, on a rien fini, on s'est juste échappé. Et là, on va aller parler avec cette petite coquine, Agilou, hein, je crois. Magilou. Pardon, Magilou. C'est vrai qu'on a tout cramé. Bibo no majo ga gokuaku hidou na goma ni sarawarete ibirareru episode 2 ikari no magiru made ja yo yoku wakaru wa yatsura ga shokei shiyou to shita kimochi. Alors c'est vrai qu'en partant du village là, hein, vous en souvenez, on a tout cramé. Hein. On n'a pas fait dans la demi-mesure, on s'est barré, on a tout cramé. Mais à la limite, à la fin, je me disais, bon, c'est qui les méchants, quoi? Et lui, et on a kidnappé en plus un gamin. Et on soupçonne d'ailleurs que il y avait deux gamins, que l'autre c'était sa sœur. Alors bon, pourquoi pas? Alors à quoi ils pensent? Ah oui, alors ils ont des numéros, hein, c'est des malaks. Malak numéro 2, la mère. Oui, c'est la merde. Oh, elle était facile celle-là. C'est un début de stream, hein. Laissez-moi me chauffer, vous allez voir, les bonnes blagues vont arriver. J'en sais rien. Oui, voilà. Tant qu'il ne se défait pas. Je sais pas si on a assez, hein, parce que 4 à bord plus un gamin pour un bateau comme ça. Je suis pas marin, mais bon, ça me paraît léger. Bon, en tout cas, on a un bon capitaine. Je l'aime bien, il est très bien doublé. Voilà. Exactement ce que je disais. Exactement ce que je disais. Ça me sautait aux yeux, alors que pourtant, je vous assure que je suis pas marin. Et puis on peut lui retirer son collier quand même à ce pauvre gosse. Non? On va à la capitale. Ah oui, on a la boussole de la fille. Elle va se souvenir. Ça indique le nord. Il ressemble beaucoup à la fille, hein, quand même. Entendez le petit piano pour nous faire chialer. Merde, j'ai pas lu.
命令ならどうしたいか聞いてるんだけど、答えるのが命令。ポブガス。そうよね。命令すれば自爆だってするのがあんたたち。それが精霊。やっぱり道具か。なら余計な口聞かないで。おら。Alors Nani, ça veut dire quoi, hein ? Ah bah voilà. On est à peine parti qu'on se fait déjà emmerder. Alors, on en était là. On n'a pas le temps de voir. Ça a été rapide, hein. Ce fut furtif. Ah bon, on est déjà sur la terre à se faire attaquer, ok. Mais c'est des gamins. C'est des gamins. C'est des gamins. Eh bah très bien. Otto, 相手は俺たちじゃないぜ。El capitaine。On a déjà entendu parler tout à l'heure du capitaine dans la partie précédente. Me souviens, moi. Oh, ça va être un pote à nous, ça. C'est quoi les malaks? C'est des Ariens? Ils ont les sons blonds aux yeux bleus? Pourquoi elle l'a reconnu? Parce qu'il est blond aux yeux bleus? J'aimerais bien qu'on m'explique. On va lui. Et oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et tu pourrais nous aider là, l'autre, là, le gamin? Oh. Et je peux incarner le gamin? Ah oui, on peut incarner le gamin. Bah, il met des baffes. Ok. Ok, ok. Alors vous êtes gâtés, hein. Le son est très bon normalement, la qualité du stream est bonne. ずいぶん勝手な言い草ね。エラビーサを燃やした奴らほどじゃない。知ってて試したのか。ついでに助けてもいる。あのまま進めば、ボーティガンの開門に潰されていた。あんたら、ミッドガン奴僚に向かってるんだろ。それにはこの先の海峡を通らなきゃならない。けど、そこは王国の要塞が封鎖してるんだ。 文字通り巨大なもんでね。そんな要塞が。事実なら借りができたな。俺たちも開門を抜けたいが、戦力が足りない。協力しろ。おあれ、ルトンダ・トランジー。ということを真に受けるほどバカじゃない。自分の目で確かめるか。いいだろう。命を捨てるのも自由だ。Ils sont un petit peu au taquet là. Dès qu'ils bougent. Aizen, il s'appelle. Et j'ai pas très bien compris pourquoi il doit se rendre là-bas, lui. Il nous a pas expliqué, hein. Bon, alors du coup, on a déjà que c'était chiant avec trois personnages. Alors maintenant, à chaque fois, il va y avoir des mises à jour pour trois personnages. Alors, Arte a pris... Ah oui, c'est vrai qu'on a de nouveaux Arte. Double fouet et estocade ouragan. Titre obtenu. Mais ça va être un enfer. À chaque fois, on va avoir des nouveaux trucs.
Ok. Et hop, objet remporté, ventite, bandeau de pirate. Voilà, il y a des notifications de partout. Permet aux ennemis. Alors, ventite du casse-cou. Permet aux ennemis, pardon, errants de se joindre au combat en difficulté normale ou. Ah, j'ai pas appuyé. Un bandeau frappé du symbole d'air frais destiné hors la loi de bon goût. Allez, comme si ça suffisait pas, encore une petite couche à lire. Les artés de Malak. Ah oui, parce qu'on va. Maintenant, on a le gamin, donc c'est un Malak. Les artés de Malak sont de puissantes compétences de soins ou attaques de zone. Ah, ça c'est bien. Le soin. Mais long à lancer. Ah, feignant. Leur efficacité dépend de leur attaque d'arté, du lanceur et de la défense d'arté de la cible. Maintenez la touche correspondante pour retarder le lancement. Lors d'un combo, ils sont plus rapides à lancer après un long enchaînement. Donc précédez-les d'artés martiaux et d'artés cachés. Ok, des artés martiaux et d'artés cachés avant... Arte de Malak. Ok. Pour annuler un Arte de Malak, appuyez deux fois sur LB. Non mais comment veux-tu qu'on se souvienne de tout ça? Déjà que c'est difficile pour un personnage. Plus un ennemi est fort, moins vous avez de chances de lui infliger des dégâts bonus. Mais il est possible d'augmenter ses chances. Par exemple, écoutez bien l'exemple. Exploitez ses points faibles. S'il est étourdi, essayez de lui infliger une altération d'état, et vice-versa. Affaiblissez-le, puis tentez de lui infliger des altérations d'état appropriées. Brisez sa garde, par exemple, avec un brise-arme. Avec la ventise du casse-cou, si vous remportez plusieurs fois dessus de nombreux points dans la même zone en difficulté normale ou supérieure, un ennemi rare et très dangereux susceptible d'apparaître. Ce sont des ennemis puissants qui rendent leurs alliés invincibles. Ils sont très coriaces, mais vous pouvez les fuir. Terrassez-les pour remporter des objets précieux, des grosses sommes de gald et un grand nombre de points. Les ennemis puissants apparaissent plus souvent dans les cas suivants. La difficulté de combat est plus élevée, 5 fois de plus en difficile qu'en normal. Vous avez gagné plus de points, basé sur la moyenne de vos derniers combats. Vous avez combattu plusieurs fois dans la même zone. Essayez aussi d'en chercher dans des zones inférieures à votre niveau. Et en plus, on a gagné une boussole. Allez, on est au tunnel de Laban Ouest, passage souterrain. Moi, ce qui m'intéresse, là, tout de suite, c'est les artés. On a le double fouet. Il nous l'a mis tout de suite en fait. Hein, c'est ça? On a la poussée supersonique. Et une attaque de terre. Ok. On peut commencer par la poussée supersonique. Attaque de terre, de vent. Voilà. On essaie de varier les plaisirs. On a le fil brûlant. Et là, on va tourner pousser supersonique. On a le double fouet. Allez, hop. Et lui, il a que de la merde. Triple vent, vent de mes fesses. On peut pas les... Voilà, irruption de mana. Voilà, bon, on va le laisser se gérer tout seul, lui. Hein. Voilà. Douleur partagée. Comment on va dans stratégie? Alors, il est offensif? Non, on va le mettre en équilibré lui hein, déjà. Hein. Combat à distance, équilibré. Moi, je mode régénération du brise-âme pour soigner. Voilà, on le met en soigneur lui. Hein. Brise-arme. Utilise les brise-armes seulement lorsque le nombre maximum d'âmes a été atteint. Voilà. On va faire comme ça pour le moment. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Allez, c'est parti. Donc, on est arrivé là. Ok. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Pirate calme. Saleté! Ah bah, il est vraiment calme. Saleté! J'ai parié que le second allait gagner en 5 coups et maintenant, je n'ai plus un rond. Fou! Ça doit être à cause de sa malédiction. D'accord. Sa malédiction? Il y a une malédiction à Ezen? Pirate inexpérimenté. Si seulement Airfred était là, avec lui et Ezen, rien n'est impossible. Ouais, voilà, on avait bien entendu qu'ils étaient deux. Hein. Ah, lui, il nous vend des trucs? La boutique de l'équipage d'Airfred n'est ouverte que pour une durée limitée. On n'a pas l'habitude de faire tourner une affaire. On va améliorer. L'attaque ténébreuse, mais on n'en a pas besoin, hein. Papier de base. Allez, on améliore ses stats à lui. Qu'est-ce qu'il a besoin de Mais c'est du papier de base. C'est de la merde.
On améliore rien tout de suite. On va trouver des quantités de trucs. À moins qu'il y ait une dague étrangère. On s'en sortira jamais. Hein. Allez, on se barre. On se barre. Oui, quel est votre but? Nous on en a une hein, de boussole, on vous la prêtera pas. On vous la prêtera pas. Moi je l'aime bien lui. Toi je t'aime bien toi. J'espère que vous l'aimez aussi. Alors, on a reçu du consoud. Un jour, il faudra que je lise ce que c'est. Un type d'herbe qui pousse dans la nature. Faible valeur thérapeutique. D'accord. Et alors, Gilou, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh là 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 là, regardez là-bas. Il y a de la bouboule. Et un fragment de minerai. Un jour, on lira aussi ce que c'est, ça. Allez, Gilou, fais-nous part de tes pensées. わしには後悔も戦いも手伝え見守ることしかしたくないんじゃ。でしょうね。ダイル、ボーティガンの開門ってのはそれほどのものなのか。警備艦隊付きの大要塞だ。何よりでっけえもんがついててな。あれを閉じられたら戦艦だって突破は無理だ。海峡を避けて王都へ行く航路はあるにはあるが、外洋を大回りすることになる。 無理に進んでもそうなんするだけだ。利害は一致してる。海賊たちと手を組むしか無さそうね。まあ、進む。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 進
思惑があるのはお互い様よ。とにかくあいつを追う。OK. On va le suivre. Donc c'est un Malak, hein. Bah comme le nôtre. Ah. Voilà pourquoi on n'a rien acheté. Parce que là on va avoir quelque chose de très bien. Un anneau de terre. Un anneau qui réduit les dégâts de terre. Ouais mais moi j'aimerais bien l'équiper mais regardez. Mon anneau de feu, il n'est pas encore expertisé. Donc je sais que je vais avoir besoin d'un anneau de terre. Mais l'anneau de feu, il n'est pas encore expertisé. Donc on le met pas tout de suite. C'est trop tôt. Allez, petite sauvegarde. Hop là. On va poursuivre Ezen. Ah, c'est une autre ambiance ici. Hein. Cette ambiance est un petit peu plus calme. Un petit peu plus naturelle aussi. Un petit peu plus de nature. Alors... Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'ennemis ici? Si. Il y a un petit scorbut. Un élément d'amélioration obtenu en démontant un objet. Allez, qu'est-ce que t'as dans le bide, toi? Moi, je vais te montrer ce que j'ai. Oh, bah non, ça... Allez, voilà, voilà, voilà. Attendez, attendez, attendez. Bon, c'était rapide. Je me demande si on n'aurait pas dû se mettre en difficulté. Oh putain, chaque personnage dispose de deux types d'arté sur les trois suivants. Martiaux, cachés et de Malak. Les artés martiaux sont efficaces contre les ennemis avec une défense faible, tandis que les artés de Malak le sont contre ceux ayant une défense d'arté faible. Les artés cachés sont un juste milieu. Déterminer la composition de votre groupe de combat en fonction des défenses de vos ennemis vous aidera à décrocher la victoire. Déterminer la composition de votre groupe de combat en fonction de la défense de l'ennemi.
Alors je leur lis, hein. Les artés martiaux sont efficaces contre les ennemis avec défense faible, ok. Tandis que les artés de Malak le sont contre ceux ayant une défense d'arté faible. Ok, la magie quoi. Il y a énormément de tutos, hein. C'est fou dingue. On peut le ramasser ça? Non. J'en ai 100. Tu veux te battre toi? Ah oui, ça c'est plutôt pour les ennemis. Moi je l'aime bien cette attaque là. On croirait qu'on va tous les tuer d'un coup, puis non. Oula oula oula, je suis un petit peu. Oui, j'aurais peut-être dû mettre en objet remporté lame d'ambre, botte de combat. Lame d'ambre. On va passer un. Bon, on l'a déjà. Papier de base, nouveau. Ouais, sa coche de mercure, il a un petit gilet. Ouais, il a que de la merde, quoi. Enfin, pardon, mais... des ennemis, ça? Ah oui. Ouais, là, ça bastonne sec, hein, quand même, hein. Je sais pas ce qu'il en est pour vous sur vos petits écrans, mais moi sur mon grand écran là, j'ai une télé Samsung, enfin j'ai un gros écran assez joli. Hein. Bon, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça rend super bien. Et vous avez remarqué que j'ai amélioré la qualité du jeu là, je l'ai mis en HD. Alors évidemment, non, vous allez pas le voir, mais quand même ça va être plus fluide et plus fin, même si c'est en 720p sur Twitch. J'ai upgradé les. Je l'ai poussé au maximum le jeu. Alors la résolution pour vous, évidemment, sera pas supérieure. Mais le jeu sera plus fluide, il est en 60 fps. Parce que je. Normalement sur Twitch, j'ai préféré 720 et puis 60 fps pour que ce soit fluide. Mais bon, vous regardez tout sur votre téléphone, arrêtez de me raconter des conneries. Hein. Il y en a qui me disent qu'ils regardent ça en 4K. Allez, allez, oh là oh! Un peu de sérieux. Hein. Bon, on a déjà été là. Un peu de sérieux. Hein. Vaut mieux un petit stream à 720 avec un bon son avec Romain. Hein, et un bon micro. Et puis une tête bien rasée. Comme une haie bien rasée pour un été parfait. Que un stream 4K dégueulasse. Avec quelqu'un qui est chiant. Qui est vulgaire, qui dit que de la merde et des chiasseries. Voilà. Là, on est bien. J'espère que vous êtes bien assis, bien confortable. En plus, on joue à Tales of Berseria. Je veux dire, il y a personne qui joue à ce jeu-là. Il y a que l'élite. Moi, je sais vous gâter, quoi. Je vous prends pas pour des débiles. Ici, on a bon goût, quoi. Ici on a bon goût et on le revendique. Bon, on a des bottes de combat et un habit de combat. Bah merci bien. Je crois que ça fait 50 fois qu'on les loot. Hein. On va se retrouver avec. À la fin du jeu, on aura une valise de 400 habits de combat. Je crois que je pense à les laver. Non, à les vendre. Faudra que je pense à les laver mes habits de combat. Bon, là il y a un trigger cinématique. Et on t'a vu faire des bisous au scorpion là. Les zen. Masaka. Kedo, yōsai o nuketa ato, ōto made fune to senin o kashite kureru nara kyōryoku shite mo ii. Voilà, c'est le deal. いい だろ. Na. Kocchi mo hitotsu itte oku koto ga aru. Qu'est-ce qu'il y a, t'es gay? Tu veux faire ton coming out dans la grotte? Je suis un homme qui a été 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 un homme q
死神の呪いにかかっている。あ、d'accord。千回振っても裏しか出ないほどの悪運だ。要塞を抜けようとした時も。Regarde si les deux faces c'est pas pile。犠牲が出た。どうこうすれば何が起こるかわからんぞ。なぜそんな不利な情報を教えるの？ゴーマも理不尽に死にたくはないだろう。知った上で来るなら自己責任ということだ。おなパプ。どうでもいいわ。裏なら自力で表にひっくり返すだけよ。C'est une bonne réplique. Nava. Velvetto. これは2号。俺は六郎。よろしくね。アイゼンだ。要塞を攻略する策があるんでしょ？聞かせて。結論から言えば、ボーティガンの守備は鉄壁だ。海から攻めても陸から攻めても落とせない。おい、おい。いや。なら、同時に攻めれば。うん。そうだ。まずバンエルティア号で攻撃をかけ、警備艦隊を海峡から引きずり出す。その隙に俺たちは要塞に侵入し開門を開く。バンエルティア号は艦隊を振り切って海峡に再突入。俺たちを拾って駆け抜ける。うん、だから一つ間違えれば全滅だな。けど間違えなければ勝ち目はある。死神同伴でか。作戦はもう始まっている。行くぞ。要塞の入り口は洞窟を抜けた先だ。行くぞ。オッケー。Moi, je trouve que c'est un bon plan. Nouveau titre, maître de la terre et de l'univers. Moi, je le suis. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il sous ses airs un petit peu pessimiste. J'ai l'impression que c'est un grand guerrier. Et je sais, c'est sa force de respect. Il a une prestance, il a un charisme. Velvet, elle a quand même 16 ans, donc elle est pas insensible à ça. Hein.Et alors, du coup, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux te battre? Ah, ça bastonne, hein? Je vous l'avais dit, ça. Merde, je suis étourdi. Oula, oula, allez, venez m'aider, là, les autres. Ils foutent rien. Attends. Ils sont allergiques à quoi, eux? Ok, au vent. Je crois que c'est là que j'ai du vent. Voilà, là je les ai foutus à terre. Il veut pas. Et vous pouvez pas m'aider les autres là? J'ai fait l'erreur d'utiliser mon attaque spéciale, donc du coup j'avais plus de possibilités. Alors, objet remporté, médaillon souvenir. Je crois qu'on a un petit chapeau de cow-boy. De cow-boy. On a des lunettes carrées et on a un bandeau de pirate. Est-ce qu'on fait ça? Ou on le met plutôt sur le gamin? Non, déjà le pauvre gamin, il me fait déjà de la peine. Alors, les lunettes carrées, non. Si on lui met le bandeau de pirate, il voit plus rien. Hein. On va lui mettre le... Non, on va rester comme ça. Allez, le gamin, qu'est-ce qu'on lui met? Enfin, si on lui met... Allez, on lui met le bandeau de pirate. Pour qu'il soit un petit peu plus dans la fête. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah bah c'est par ici qu'on vient. Autant pour moi. Oh ça va sur le chat, hein. Les gens s'énervent. On peut se tromper. Vous êtes jamais arrivé de tromper de direction? On va aller un petit peu par là parce que c'est un cul-de-sac et forcément il y a un trésor. On me la fait pas moi. Hein. J'ai 41 ans. Hein. 41 ans de JRPG. Il y a un cul-de-sac et un trésor. Voilà. C'est un beau parce que c'est argenté, alors ça doit être quelque chose de bien. Papier d'ambre, c'est pour le gamin ça. Les fibres de ce papier sont agrémentées de poudre d'ambre. L'ajout d'autres minerais peut augmenter davantage son flux de mana. Hop, on va le mettre sur le gamin. Équipement. Vous avez vu comment je vais vite là, ma dextérité? Ah bah ça fait baisser tout. Bah de toute façon, on n'avait pas encore l'expertise de l'attaque plus 5, vous voyez? On a 6 sur 65. Donc on attend un peu. On attend encore un petit peu.
faut savoir être patient hein, dans les Tales of. Il faut expertiser nos objets. Et ensuite, on a la compétence. Qui se met directement sur le... Ah, il va falloir qu'on fasse quelque chose de spécial ici. Ça va... Ça... Eh. Soyez patient, hein. On va nous l'expliquer. Bon, moi j'appelle ça un briquet, hein. 普通は平気じゃない。だが、俺たちはゴーマと精霊だ。普通じゃなかったわね。 Ok, brûler des plantes grimpantes. Bon, c'est le même principe que les rochers, j'imagine. Vous pouvez utiliser du bois d'allumage pour faire brûler des plantes grimpantes et d'autres obstacles afin de libérer le passage. Vous pouvez aussi faire brûler les plantes accrochées à un bloc de pierre pour l'inspecter. Ok. Des plantes grimpantes très denses bloquent l'entrée de la grotte. Avec un peu de bois d'allumage, vous pourrez peut-être les brûler. Ouais, d'accord, mais quoi ? J'ai pas de ça, moi, de bois d'allumage. Bah si. Et on en a. Permet d'allumer un feu, pas très mauvais. Attendez. Ah voilà, c'est automatique, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on allait être bloqués comme des cons. Enfin, pardon. Comme des étourdis. Alors là, il y a deux possibilités. Je regarde la carte. Ouais, ça nous dit pas. On sait juste qu'il faut qu'on se dirige vers l'entrée qui se situe après la grotte. Moi, je serais bien tenté d'aller à gauche, vous voyez. Mais bon, comme l'autre est un peu plus loin, c'est forcément, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de plus caché. On va aller à l'autre. Me remerciez pas. Ces petites astuces que je donne comme ça. C'est gratuit. Je peux faire profiter aux gamers mon expérience. Je le fais avec bon cœur, hein, voyez. Moi, je suis quelqu'un de bienveillant. Hein. J'ai été élevé chez les jésuites. Bien, vous voyez, on a bien fait de passer par là. Hop là. Oula. Poup. N'en jetez plus. Oh, dis donc, c'est déjà un petit peu plus labyrinthique. Hein. Le jeu est en train de nous dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais non, on aura affaire à des donjons. En plus, on a pris le bon chemin, putain. やめろよ。2号なんてかわいそうだろ。あんたの名前の意味は兄弟の6番目で六郎だが。それと同じよ。同じじゃないだろ。あ、attention gamin. Merci Ezen. 大丈夫か、少年。 Comprenez pas qu'il a été élevé à la dure. Tu vois, Velvetto, t'aurais dû être plus gentil. こいつは意志を封じられているんだ。本来、精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが、タイマシどもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。大麻師の配下から出した精霊は初めて見た。 Voyez le silence qui s'installe juste après, hein? Tout le monde est un petit peu surpris. タイマシが精霊の意志を封じてるって言ってたよな。ああ。本来は人間同様、それぞれが自我を持つ存在として、ずっとこの地で生きてきた。俺たちの存在を知覚できるのは、タイマシのように霊能力が強い一部の人間だけだったが、あの降臨の日で変わったんだな。 Comment t'as fait pour t'échapper, toi?
アルトリウスの奇跡だと称えたが、精霊は物じゃない。精霊は物じゃない。物よ。On va te sauver, petit. On va te réapprendre à vivre. 精霊もゴーマも人間もみんな五体操な断りを実現するための道具でしかない。物にしか見えないのよ。Alors, il y aura beaucoup de scénettes, hein, mais je les regarderai toutes. Hein. Je préfère vous prévenir parce que j'ai envie de savoir tout sur le jeu, sur le lore. Alors je vais pas faire le jeu à 100% évidemment. Hein. On passe à gauche là. Alors, évidemment on va louper des trucs, mais bon le but c'est d'arriver à la fin du jeu. Je n'ai pas envie de faire un 100% du jeu, d'aller un peu partout. Ah là, quoi. Non, toi ta gueule. Ah! On va libérer un de nos amis. Alors je me souviens plus, hein, si quelqu'un dans le chat peut me dire à quoi ça sert de les libérer. Vous avez trouvé une binouze. Ok. Ah, ils aiment pas ça eux. Hein. Voilà. On peut l'incarner Oui, on peut l'incarner, Zen. Et puis punch dur. J'ai un petit peu l'incarner. Objet remporté, bracelet d'ambre, de combat. Alors, bracelet d'ambre, bracelet incrusté d'ambre qui sert de catalyseur à mana. Alors j'imagine que c'est... Ah, encore à lire. Arte martiaux, coup de poing imprégné de mana, arte de malak. Alors ça c'est pour Eisen, hein. Attaque élémentaire d'air et de terre. Avec ses poings imprégnés de mana, Eisen peut frapper à moyenne portée et parfois même se jeter sur sa cible. Bah dis donc, il est bien courageux. En plus de ses artes de malak, d'air et de terre, il peut en apprendre d'autres qui lui permettent par exemple de traverser rapidement le champ de bataille. D'accord. Ok, donc on va vite fait sur arte sur Eisen. Donc il a ça, il a destiné, verdict... Tempo, lance, éolienne et rapidité. Voilà, il a du vent, il a de la terre. Ok, ok. Ce que je vais faire, c'est au niveau stratégie. Je vais le mettre. Il attaque les ennemis forts, ça c'est bien. Il est équilibré au niveau de sa tactique. Moi, je le mettrais bien en combat rapproché. Hein. Ça m'aide. Attaque, guérison, équilibré. Brise-âme, choix libre. Mode offensif. Lui en régénération. Et moi je suis en mode offensif aussi. Combat à distance. Lui on va le mettre en équilibré du coup. Au niveau tactique. Ah, petit à petit vous voyez. Hein, c'est un jeu qui nécessite un petit peu de stratégie. J'ai l'impression de... Je vais peut-être jouer en dur après. Hein, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu simple. Hein, c'est quand même le troisième que je fais. Je vais pas vous remonter les boîtes de mes jeux. Mais bon. Voilà, là j'ai fait n'importe quoi là. Alors quand c'est comme ça, faut changer de personnage, j'imagine. Merde, ils sont tous. Et alors Eisen, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, il a du gros poing là. Ah oui, c'est un bourrin. Mais il met un peu de temps à frapper. Bon, on a une bonne équipe là. Objet remporté, médaille en souvenir. Ok. On va se customiser ça, tout ça après. Hein. Pour l'instant, on continue. Là, on... Pardon. C'est toujours la même chose, hein. Je retourne sur mes pas. Bah, tout se ressemble un petit peu. Donc, ne m'en voulez pas. Ah bah oui. Parce qu'on peut pas traverser. Donc c'était la sortie de tout à l'heure, je pense. Allez. On poursuit. Dirigez-vous vers l'entrée qui se situe après la grotte. Alors si des fois vous m'entendez un petit peu bafouiller, c'est pas que j'ai peur ou que je suis con, c'est que... c'est que je suis un peu dyslexique. Voilà. Personne n'est parfait. Un petit peu de mal à lire, parfois. Je suis un petit peu... Je suis excité, je suis content et j'ai un petit peu de mal. Je suis pas bègue, hein, évidemment. Vous l'avez compris. Mais j'ai un petit peu des soucis de dyslexie. Vous voyez, j'ai du mal à dire le mot.
Xlexi. Ah, hé, hey, oh, là, vous avez vu, là? C'est qui, lui? Ah, il a une carapace sur le dos, non? Si je ne m'abuse. Il ressemble au mec dans Dark Souls. Le chevalier oignon. ゴーマじゃないなら精霊か?いえ、仮面人は仮面にす。諸々のご不審はごもっともっすが、これ以上の追求は、どうかご勘弁いただきたいっす。これはご丁寧に。恐縮っす。仮面人一族は、やり手の旅商人。俺たちのような裏稼業には、何かと重宝する存在だ。 行商人か。役に立ちそうね。はいっす。お客様の笑顔が第一。それがホワイト神谷のモットーっす。ただ、場所が場所だけにお値段は少々お高めになってしまうっすが。え、ばな、かったぺ、そらてつ、はえ、もんしゃ。まことに申し訳ないっすが、返京の商売は何かと手間賃がかかりまして。それはそっちの都合でしょ? はい、voilà。確かにそうっすが。素直に認めたわね。じゃあ、通常価格で手を打ってあげるわ。感謝の印にお客様の笑顔ってやつをやっとくか。に。恐縮っす。Oui, c'est le fils du chevalier oignon. Qu'est-ce qui fait avec ses bras là? Ça va te mener nulle part dans ta vie hein, de faire ça. Regarde-moi ce que je sais faire avec les miens. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on peut lui acheter? Il a des fioles de résurrection, du papier d'ambre. Mais je regarde les stats en haut, hein, en fait. Ah! Un sac d'ambre. Ça nous intéresse. On lui achète un sac d'ambre. Et on achète un pendentif. On l'a pas déjà un pendentif d'ambre? Non, c'est marqué 0 dans posséder. Un pendentif d'ambre. Ok. Un gilet. Naturel. Il a déjà un gilet. Oui, on en a déjà deux. Habit d'ambre. On en a plein. Ok, et en arme. Allez, hop, c'est bon. On se casse. On va équiper ça. Équipement. Le petit bonhomme. Papier d'ambre, on a dit que c'était pas pour tout de suite. Hein. Par contre, la sacoche... Elle est quand même mieux. Hein. Il est moins fort en magie, mais il a plus de défense. On lui mettra après. On attend d'avoir l'expertise d'attaque. Hein, on fait ça. Il a la maîtrise du feu. On peut lui changer d'anneau. On va lui mettre l'anneau de terre. Et les bottes d'ambre, elles sont maîtrisées aussi. Donc on pourrait lui mettre les bottes de combat. Hein? On va faire ça. Il a un anneau d'eau, lui. Bon. Ok. Médaillon souvenir. Il n'y en a pas un qui est mieux. Pendentif d'ambre, non. Non, on va lui laisser celui-ci. En bracelet, il a un bracelet d'ambre. Oui, bah on va attendre que l'expertise soit faite. Et voilà, bon, on continue. Excusez-moi pour le menuing. Toujours la même chose. Hein. Je vais pas me répéter. Hein. Bah, ça aurait été une idée. あっちも俺たちを見て同じことを思ってるだろうさ。ゴーマと精霊と死神のご一行か。でしょうね。 Ben moi j'aime bien l'équipe pour le moment hein, entre le gamin カメ人って何だ? 名前の通りカメ人だ。だから何なんだ?カメ人はカメ人だ。 行商が得意な種族だと考えればいい。ま、海亀みたいな甲羅を背負ってたし、名は太を表すって。Mais non, ce sont les fils du chevalier Oignon. 僕は2番目の使役精霊だから。2号。
それは名前じゃない。ただの称号だ。いい加減、少年にも名前をつけてやらない。Bah oui, voilà. Ça serait quand même plus sympathique. On va t'appeler Petite Chiasse. Oh non, je plaisante. C'était pas drôle en plus. Non, non, faut lui trouver un petit nom à ce petit bonhomme. Allez, on va t'appeler numéro 3. Hein ? Allez. Là, on peut sortir directement. Sinon, qu'est-ce qu'il y a là-haut, là ? Il y a un petit truc... Hein, vous voyez ce que je veux dire, là ? Quoi, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, je suis tenté d'aller là-haut. Allez, on va là-haut. Bon, alors c'est pas la production de The Last of Us Part 2, hein. Vous êtes d'accord. Mais, somme toute, on n'est pas là pour ça, nous. On est là pour l'aventure. On est là pour les JRPG. Sous-titré français, s'il vous plaît, hein. Moi, j'ai connu des années où on se tapait les JRPG avec des sous-titres en anglais, merdique. Sacoche de Mercure. On n'a pas déjà ça, la sacoche de Mercure ? Oui, des années de JRPG où on devait se les taper en import, trouver les sous-titres sur Internet. Oh là là. Maintenant, c'est fini ce temps-là. Hein. Même Persona a des sous-titres en français. C'est pas magnifique ? Bon, c'est comme ça que j'ai appris à parler anglais aussi. Ça n'a pas été une mauvaise chose, ça. その金貨ってどこの国のものなんだ？表は女神、裏は死神なんてのは初めて見た。裏側は厳密には死神じゃない。これは魔王ダオスだ。ほら。なんかどっかで聞いたような名前だな。女神マーテルと魔王ダオス。ラグナロック第765章。ミトロジーノルディックさん。ほう。あ、ピュピュ、セットカシパー。よく知っているな。これは異国の古代遺跡から発掘されたカーラン金貨と呼ばれる貨幣だ。柔らかい金でできているが、特殊な加工で高度が高められていて傷がつきにくい。へえ、ずいぶん珍しいものなんだな。あんた本が好きなの？好き？テレサ様の部屋にたくさん本があって、僕はいつも本を読んでいた。ラグナロックはラグナロック、c'est l'apocalypse, hein, pour les Scandinaves. それにしても、そんな珍しいコイン、どこで手に入れた？ Mais vous le savez certainement aussi. 話せば長くなるが。ならいい。ちなみに、さっきはコインで何を決めたんだ？今話すようなことでもない。そうか。余計な詮索だったな。すまん。Bon, bah, t'es bien curieux quand même. Et Yggdrasil, c'est l'arbre de savoir. Supportant le monde. Alors là, ça nous permet de ressortir. De toute façon, c'était notre but. Hein. Plateau de Bournac, la croisée des chemins. Ok. Ok. Ah oui, donc du coup, on voit le château, mais effectivement, on ne peut pas redescendre. Ah si. Allez. Nick. C'est quoi ça? C'est un monstre? Je vais te péter la gueule, moi. C'est pas parce que t'es I2. Attends, déjà on va regarder. Anamor, point faible, on sait pas encore. On ne sait pas. Ah ouais, il aime pas le feu. Attendez, voilà, il aime pas le feu du tout. Allez hop, il m'emmerde. Voilà. Il faut savoir utiliser l'attaque finale. Maîtrise de compétences d'équipement. La ceinture. Nouveau chaussures solides. Alors, on modifie ça. On va passer un temps fou à chaque fois. Hein. Maîtrise d'ambre. Ça y est, c'est maîtrisé. De toute façon, on a que des ceintures d'ambre. Et quoi, qu'est-ce qu'il nous a dit? On a des chaussures, hein.
Voilà, botte solide. On va peut-être le mettre sur le gamin. Parce qu'il a pas beaucoup de défense. Hein. Les autres, ils ont 160. On va mettre ça sur le gamin. Mais on va peut-être attendre l'expertise. Parce que on n'a pas beaucoup de. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de mal à jouer. Hein. On tue tout le monde en un coup. On verra ça. Pour l'instant, on va expertiser à chaque fois. Ah! Il y a une barrière fantomatique magnétique. さっきのサソリやこの結界が死神の不幸ってわけか。この程度で済めばいいんだがな。正面突破は難しいな。どう攻める？崖を降りた先に検察陣に使われた搬入口があるはずだ。そっちを探る。OK。Alors、les ouvriers utilisés au pied de la falaise。よく調べたわね。この程度は当然だ。C'est vrai qu'il m'a l'air bien renseigné。Midi au pied de la falaise. Il y a bien une merde à ramasser ici. Ok. Au pied de la falaise, qu'est-ce qu'il appelle la falaise? On doit aller par là? Oui, ça m'a l'air d'être une falaise. Je peux pas dézoomer un tout petit peu. Là, je peux me rapprocher, voilà. Moi j'aime bien voir de plus près. Là, je suis très près de l'écran. Ok. Ah, donc on va descendre quoi. Et là il y a bien. Ah voilà, ça j'aime beaucoup. La verveine, ça nous. Ça c'est fantastique la verveine, vous allez voir. Voilà, verveine, moi j'aime beaucoup. C'est des points de défense en plus. Deux points de défense. Alors qui en a le plus besoin? Bah évidemment, c'est notre ami Ezen. Hein. Il est un petit peu merdique au niveau défense. On va essayer de répartir ça au mieux. On va essayer d'être le plus équitable possible. Hein. On va pas faire les foufous et tout mettre sur Velvet. Même si des fois, les autres seront pas là. Hop là. Il nous donne le choix de le faire, c'est qu'il y a une raison. Hein. Faut réfléchir. Faut essayer de faire marcher ça, quoi. Faut essayer de faire marcher là-haut ce qui se passe, quoi. Des fois, c'est pas simple, mais... Ça se travaille. Ok. Ah, c'est des monstres. Mon dieu, mais ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à notre capitaine. Allez, c'est parti. Oh là, s'ils parlent en même temps, ça va être difficile à suivre. Hein. J'ai dit que je parle anglais, mais le japonais, c'est pas encore ça. Hein. Ok. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me suivre. Hein. Ça fera plaisir à ma grand-mère. Tous les soirs, je lui fais une capture d'écran pour lui montrer mes followers. Hier, elle a chialé hein, quand elle a vu le nombre. Elle était très fière. Petit à petit, ce petit bonhomme, il va devenir de plus en plus humain, vous allez voir, à notre contact. Alors, gourou d'ennemis. Alors ça, les titres, hein, je... C'est très gentil, mais... Ok. Parce que regardez, quand on va dans les équipements, là, on peut mettre les titres. Mais ça nous change, augmente les arts martiaux, adepte, experte du menu, augmente la durée de vacillement,
Moi, ce que j'ai envie, pas vous mentir, c'est de rester sur celui-ci, hein, combattante féroce, c'est le premier. Maître du papier, élémentaliste. On va rester sur ceux de base et qu'une fois expertisé, bon bah on verra. Hein. Je regarde un petit peu, ça a l'air joli. Ah bah voilà, j'ai bien fait de regarder un petit peu, il y a un coffre. Je trouve la caméra à peu près, alors c'est moi qui suis collé à l'écran. Fiole de résurrection, ça c'est très utile, même si ça nous a jamais servi. Mais j'imagine que contre un boss, à un moment donné... Mais je trouve le jeu relativement simple hein, pour le début. Moi je propose même, regardez, qu'on aille dans le système et qu'on mette en difficile. Je sais pas ce que vous en pensez. Moyenne. On était en normal en fait. Ah oui, il y avait simple, normal, moyenne. Ah bah voilà. Moi je pensais que normal c'était moyenne. Non, annulé. Voilà, on se met en moyen. Et après il y a difficile. Ah oui, c'est pour ça que c'était trop simple. Ah voilà. Excusez-moi. Bah oui, c'est difficulté moyenne. Normalement c'est facile, moyen, difficile. Ok, là on est en... Ça va être plus intéressant pour moi. J'aime bien quand il y a du challenge. Et vous aussi, je le sais. Vous êtes des vénards. Vénards. アイゼン、開門を開くにはどうすればいいの？開閉装置は開門の上部にあるはずだ。 それを起動して合図の呪しを上げる。 了解。開門の上ね。 OK, yokai. Allons-y. Alors là nous sommes à Vortigern, la forteresse aux portes de la mer. Alors on va voir déjà si c'est plus difficile. Parce que moi j'aime bien quand il y a du challenge un petit peu quand même. Qu'on soit obligé de voir les arter. Bon déjà c'est vrai qu'il meurt plus en 10 secondes. Alors ils sont sensibles au vent. Allez. Ouais, ça va être plus intéressant. Puis en plus, on gagne plus d'XP, je crois. Alors. Ok. Alors lui, il a une sale tronche. Alors, il doit faire des attaques de magie, hein, j'imagine. Et il est à terre, là. Ah, il aime pas ça, hein. Ah merde, je me suis fait toucher par le rayon. Merde. Attends, il faut que je me décale. Hop là. Non. Mais merde. Ah, j'ai fait de mon mieux. Hein. Et attends, on va crever là. Objet. Ah bah enfin, ça devient intéressant là. Voilà, j'en ai tué un. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer de... On peut changer de difficulté à tout moment, donc. Mais bon, moi je suis quelqu'un d'assez orgueilleux, j'ai pas envie de finir le jeu en facile, quoi. Ça serait bien que la caméra qui lock puisse suivre le personnage hein, quand même. Voilà. Et un truc que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas de bouton d'esquive. Enfin, on en a un, mais c'est vraiment une petite esquive là en pas chassé qui est pas.
pas terrible. Et est-ce qu'on peut cuisiner un truc là? Manger. Saucisse hérissée. Étourdissement, puis manger ce repas. Ok. On a plus de chances de faire des étourdissements. Au niveau vie, on est comment là? Bon, ben, on est parfait. Attendez, je suis ressorti là? Ah non, non, on est ressorti. Oui, c'est bon. Non, mais j'ai l'impression qu'on. Continuez pour atteindre la salle au-dessus des portes. De toute façon, je vais vite me rendre compte, c'est là où il y avait le coffre. Oui, je suis revenu comme un con. Ah putain. Et lui, du coup, il est là. Oh, mais les ennemis seront revenus. C'est quoi là? Il y a un matelas maintenant? C'est quoi lui? Oula, 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 faut te calmer là. Ok, il est à terre là. Ok, il est mort là. Pas encore. Ils sont sensibles à quoi? La brûlure. Oula, oula, je me suis fait. Je me suis fait gangbanger là. Voilà. En fonction de comment on s'est battu, on regagne de la vie. Hein. Vous avez remarqué? Je viens de m'en rendre compte au bout de 4 heures. Ah bah bravo! Bon, la petite chauve-souris, s'il te plaît, viens pas me faire chier. Hein. T'as vu comment on a laté le gros là? Alors, saké. Résultat de la fermentation du riz, oui, c'est de l'alcool. Ne contient aucun ingrédient artificiel. Ça me fait bien plaisir. C'est bio. Ingrédient du ragoût de tendon de viverne. Allons bon. Mais je suis complètement con, je suis encore ressorti. C'est pas possible. C'est... Bon, bon, au moins on va apprendre à se battre. Hein. Ah, je lui ai fait une altération d'état là, il est en feu lui. Alors c'est pas très stratégique pour le moment, mais à un moment donné on va être obligé. Hein. Parce qu'ils vont être de plus en plus forts. On va être obligé de comprendre. Alors voilà, faut pas qu'on se plante. On ne ressort pas par là. Ça fait 3 fois, c'est quand même fou hein, d'être con comme ça. Hein. Ne me jugez pas de trop. C'est pas simple, hein, vous savez. Je crois que ça m'amuse, moi, à 41 ans, de streamer à 4h de l'après-midi. Hein. Vous pensez que je suis heureux? Ah, ben voilà. Je regarde quand même de l'autre côté, il y a forcément un petit trésor. Allez, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et voilà. Bon, il n'y a pas un petit trésor, mais il y a de la... Ah, on a une petite scénette. On va la regarder en regardant la mer. ゴーマを切る刃にもなれば鉄を鍛える金槌にもなるってわけだな。そうやって精霊や王国は自分たちの力の大きさを民衆に知らしめてる。逆らう。従えってね。胸くそ悪い話だ。胸くそ悪い。まったくだ。 OK. Vous êtes des vénards. Des fois j'aimerais bien être vous. J'aimerais bien être connecté et puis de me regarder jouer. Pas besoin de toucher la manette, manger des chips.
manger des chips et regarder mes streamings. Bénard. En plus, en ce moment, on fait actuellement aussi Judgment. Partie 32, là, j'ai fait ce matin, là, à 6h du mat. Non, 4h du mat, je crois. Oh, bah, c'est, on se régale. On se régale. En plus, le scénario, il est mortel. C'est vrai que c'est, il est pas mal, hein. C'est un très très bon jeu, hein, Judgment. Pour ceux qui connaissent pas, je le conseille. Hein. On se régale. Ah bah tiens, voilà, bonjour. Bravo. Au moins, Ezen, il a une diplomatie bien de chez lui. Il sait accueillir, il sait recevoir. Ah, ça surprend la première fois, hein, c'est sûr. Quand t'es pas habitué. Ouais. Dis donc. D'être poli.自分の家事は自分の意思で取る。そうでなければ本当の意味で生きているとは言えないからだ。自分の家事。行くにもこの要塞を死守するのがわしの生き様だ。だがそれにはどんな結果も受け入れる覚悟がいる。 Ah, c'est les risques du service public. Allez, la clé là. Il va lui péter le bras. Eh oui. Ah non, un doigt. Eh ben, va le chercher. 正面の階段を進んだ先です。オッケー。わかった。やかった。よかった、よかった、je sais pas。アレ、オップ。ボンソーレ。アベルガマン、on s'est sûr qu'on lui montre pas forcément l'exemple。単なる適材適所だ。 鍵も必要だが、戦艦も潰すぞ。バンエルテア号が迎撃される前にな。だな。管理室か船着き場か、どっちに舵を取る？Bon, on a besoin de la clé, hein. Avant toute chose。OK. Alors moi j'ai ce don de pas savoir par où je suis arrivé. OK. Alors, on est arrivé. C'est quoi là, ici? C'est par où on est arrivé, hein? Oui, voilà. Voilà, j'ai ce don de me tromper à chaque fois. Ok, donc, bon, on prend à droite. Hein? J'ai l'impression de retourner. Ah non! Oh, il a encore envie de nous faire une petite cinématique où il cause. Putain, on s'en sortira jamais. Aizen, nakanaka ii kenkappuri da na. Omae no kireppuri hodo janai. Onakama ni wa ken de tatakau yatsu mo ousou datta ga, anta wa ken wa tsukawanai no ka? Ainiku da ga na. Shinigami no noroi tte yatsu wa ore ni kakawaru mono nara. C'est quoi cette malédiction? Nan demo chokkai wo dashi yagaru. Saya kara nuita dake de oretari. 敵にとどめを刺そうとした瞬間に刀身が抜けて飛んでいったりもした。命を懸けて戦う時にはあまりにも信用ならん。体一つで戦うのが一番マシだ。あんたほど着物座ったやつとなら面白い勝負ができたのにな。
剣士じゃなくて残念だぜ。剣抜きでも面白い勝負はできるぞ。お前の剣と俺の呪い試してみるか。その時が来たらな。切られても恨みっこなしだぜ。それは俺のセリフだ。 OK。 Ah mais dis donc, ça n'arrête pas de causer. Ça me permet de fumer, c'est parfait. Puis pour vous, ça développe le lore. この要塞に詰めているのはほぼ王国兵だ。タイマシは数えるほどしかいないと見ていい。海に鉄門まで作ったってのに随分手ぬるいな。外界で暴れる族を取り締まるのにタイマシを熱くする必要なんてないってことでしょ。そうだ、人間相手なら王国兵でも役に立つ。指揮官としてタイマシを置けば十分ってわけか。国王の顔こそ立ててはいるが、もはやこの国の実権はアルトリウスが握っているようなものだ。各地の警備防衛は聖領主導で行われ、王国兵たちはタイマシの指揮下に置かれている。狙うはタイマシだな。少しは骨のあるやつがいると楽しめるんだがな。おるのか。俺は切る専門だ。あ、bah bravo pour le gamin. Alors déjà qu'on lui montre pas l'exemple, mais en plus si on lui raconte des horreurs. Et oh, toi la petite chauve-souris, tu crois que tu vas m'attraper? Certainement pas. Ah, une petite fiole de résurrection. On ne peut pas. Ok. C'est la porte principale de je sais pas quoi. Bon, ça va, ils sont relativement lents. Quand on a envie d'échapper à des combats, on peut le faire. C'est une bonne chose à savoir. Donc on va se diriger vers les autres portes. Bon. Toujours à la quête de cette petite clé. Donc là, là c'est les escaliers, à mon avis ça va être ici. Hein. Ah. Ah c'est là qu'il y aura le bateau. Hein. C'est là qu'on va se barrer. Hein. C'est là qu'il y a la porte. Enfin, elle va être pas loin. Qu'est-ce qu'il y a lui? Quoi? De caisse? De qui? On peut casser ça? Non, pas du tout. On peut pas le casser. Allez, on se bat un peu là, ça fait longtemps. Allez. C'était beau là, hein. Dommage que la caméra ne tourne pas en même temps. Si on arrive à faire des enchaînements parfaits, de ce que j'ai compris, ça nous redonne à chaque fois assez de petites perles pour pouvoir utiliser d'autres attaques. Donc là, c'est pas possible. Hein. Vous avez... Ah si, regardez, on peut peut-être passer là, voilà. Hop. Et après, ah voilà, malin. Ah, je pense qu'il y en a plein qui se sont cassés les dents hein, ici. Hein. Ils sont repartis dans l'autre sens, qu'on chialait, qu'on était sur internet pour trouver la solution. Pas de ça ici. Pas de ça ici sur mon stream. Alors, à mon avis, on a pris la bonne direction. Hein. Il y a une petite échelle. Échelle de résurrection. Ok. Hop. Petite échelle. On est sur le toit. Ok, là il y a de la petite chauve-souris. Quoi, ils vont tous venir me emmerder là? Qu'est-ce que tu défends toi? Et oh là, doucement. Déjà je vais me faire le gros. Bizarre puissant. J'essaye de lire en même temps en haut les attaques que je fais pour comprendre un peu le délire. Non. Alors, lui, il est point faible, c'est alors voilà. Point faible, c'est la terre. Et moi, je sais que j'ai de la terre ici. C'est con qu'ils mettent pas d'ailleurs le symbole à chaque fois qu'on fait l'attaque. Oh. 勝負ありだな。
Ah bah très bien, comme ça nous a remis full vie. Arte appris, brume, arc-en-ciel, très bien. Objet remporté, gilet naturel. Alors je veux voir l'arte du gamin. Il a une brume arc-en-ciel. C'est une arte cachée. On peut pas les déplacer, hein. tout est sous contrôle. Hein. Lui il a la danse mirage, ok. Et nous, on a quelque chose de nouveau là un peu. On a le double fouet, la vrille perçante. On n'a pas un truc nouveau? Non. Pour l'instant, on reste comme ça. On va voir. Hein. Et qu'est-ce qu'on avait en équipement? On a trouvé un truc, là. Bon. Je me souviens plus. Donc, on arrivait de par là. Merde, je sais plus, voilà. Si, voilà. C'est bon. De toute façon, sur la map, on voit les pas. Je suis bête. Ah, et puis là-bas, il y a un truc pour... pour sauvegrader. Vous allez pas nous faire chier. Voilà. Faut que j'utilise la garde un peu plus souvent. Voilà. Allez, bonus. Il a pris un niveau. Arte a pris pas éclair. Bon, c'est géré par le CPU, hein, les attaques de mes petits amis, c'est très bien. Alors, ah, j'ai pas le temps de lire. Objet de la verveine. La défense de 2 points. Alors, qui en a le besoin le plus? Bah, évidemment, c'est notre ami ici. Il a une très faible défense. Hein. Allez, hop, on descend. C'est labyrinthique. Hein. J'espère que je reviens pas sur mes pas. Hein. Théorie, non. Tout se ressemble. Non, c'est bon, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. On n'est jamais passé par là. Là, on peut pas. Hein. Ah, examiner. Est-ce qu'il y a une autre entrée, Velvet? Ouais. Je ne sais pas, nous allons devoir chercher par nous-mêmes, pensons par ici. Ah voilà, on va passer par le lierre. Voilà. Vous êtes gâtés, je trouve vite les ce qu'il faut faire. Les astuces. Le pass-finding. Hop. Hop là, oh, voilà. Anneau de terre. Anneau de pomme de terre. Ah oui, c'est XI. J'ai failli pas le voir. Hein. On a eu du bol là. Ça va être le gamin qui va la trouver. Et il a trouvé la boussole. Et attention, tu vas te la prendre sur la tronche. Ah bah voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Allez, elle va faire sa maman là. Allez. Pas grave. これくらい我慢しなさい。生きてる証拠よ。炭鉱物か。痛いってことがよ。でも痛いのは怖い。そりゃ誰だってそうだけど。ベルベットも。 Eh oui, même moi. それにしても変なものが好きよね。 なんでしょ。よくわかんない。でも本で見てからずっと不思議な感じがして、なんか
Il a une âme de voyageur comme la fille. Qu'un aimant. そういう時は言えばいい。好きか嫌いか、楽しいか怖いか。あんたは生きてるんだから。僕は生きてる。これは私の意見、命令じゃないから。いい？わかった。Maintenant, elle préfère préciser, hein, parce que le gamin prend tout au pied de la lettre. これで開門を開けられるな。羅針盤も必要だ。よく見つけた。うん。OK、on a la clé de la forteresse。うなつき場へ行こう。Il y a encore une scénette, mais on s'en sortira jamais。Qu'est-ce qu'il a ? Il a été tué ? どこか具合でも悪いのか。羅針盤が落ちてきて、タンコブが。C'est le problème des scénettes, c'est pas forcément intéressant. À chaque scénette, je perds 50 viewers. Allez, on y va. ここを落として船に戻ったら、砂糖をもらってコブに塗りなさい。あれが引くわ。Ah, petit à petit, elle redevient gentille. Vous vous souvenez au début du jeu comment elle était toute guillerette et tout, hein? Et puis forcément, 3 ans de prison, hein, ça l'a. 怒らないから、喋っても。Oh non, mais c'est pas possible. J'ai encore perdu sa grande viewer. Bon, heureusement que j'en ai 10 000 à la base. La dandara tulle.赤子の肌のごとき滑らかな手触り、軽くて伸びもあり、通気性も耐久性にも優れている。だがそれだけではない。特筆すべきはこの生地の持つ衝撃吸収力で。あんたいろいろと詳しいんだな。知識と経験の裏付けが宝の目利きに役立つ。奪った宝を何でもかんでも積み込めば船が傾くからな。なるほどね。というわけで、羅針盤を入れておくにはそのカバンは最適だ。ちゃんとしまっておきなさい。大切なものなんでしょう。Mais bon, ça nous permet de connaître mieux les personnages aussi. Alors on est toujours tenté, hein, vous voyez. On est toujours tenté de. Là, ça va être fermé. On est toujours tenté de lancer la scénette, évidemment. On est de savoir quoi. Allez, hop, la porte est désormais déverrouillée.Ok. Évidemment, là. Oui, donc on doit aller à l'escalier hein, maintenant. On fait du backtracking. Là. Ok. Alors tout repop à chaque fois. Pourquoi pas, hein. Allez hop.On y va direct là, on se fait pas chier. Oh putain. Corbeau Hilar, j'aime bien. Ah.
On va pas le baiser là. Ok. Je vais voir au niveau de l'équipement, les bracelets. J'ai bientôt maîtrisé hein, ça. Talisman d'ambre, médaille en souvenir. Ah, et celui-là est mieux, mais bon, on va attendre d'avoir le... Ok. Bon, on continue. Pour l'instant, on n'a pas de problème, donc... pas besoin de s'upgrader trop. Pas même pas besoin de le faire du tout. Voilà. On refait le tour. On va retourner là où le soldat nous a dit d'aller, en fait. Hein. Au bout du couloir. Et on va pouvoir passer avec notre petit bateau. Ça me rappelle Tales of Vesperia. Hein. Il y avait aussi un passage comme ça où on devait ouvrir la porte pour faire passer le bateau. Je dis rien. Hein. Mais ça me rappelle. Mais bon, faut quand même reconnaître que le jeu est... il est original hein, dans sa construction. Souvent, c'est toujours la même chose. Et puis là, non. Ils ont essayé de faire... c'est plus original que d'habitude. Je trouve, en toute sincérité. Ok, et là, il y a des petites choses. Non. Voilà, la porte, elle est là, hein, on est bien d'accord. Oh là, ouais, on va pas m'emmerder. On va les reprendre sur le... Alors là on peut pousser. Un bruit s'est fait entendre sous vos pieds. Ah, ça nous permet de passer en dessous. Papier de base. Ok. Donc en fait on n'est pas dans la bonne direction. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah merde. Allez, montre-nous là. Fais pas le salaud. Ça a dû faire quelque chose, mais je ne sais quoi. Et en fait, il faudrait qu'on arrive de l'autre côté, là-bas. Il y a la porte. Il faut qu'on arrive à aller de l'autre côté, quoi. Faut qu'on redescende, alors. Ok. On va redescendre. Oui, je pense que c'est ça. Là, on va sauter. Hop. À des moments, je fais un peu d'acting au niveau des sauts pour l'immersion. Je pense qu'on est bon là. On est sur le bon chemin. C'est un peu labyrinthique quand même. Hein. J'aurais pas dire. Bon, on va s'en refaire un parce qu'il faut quand même qu'on s'upgrade. Hein. Je l'aime bien celui-là. Voilà. Expérience. Ok. Attends que je retourne pas sur mes pas. Hein. Maintenant je regarderai toujours la carte. Mais les ennemis sont pas véloces. Hein. Et même ils ne poursuivent pas. Oh là, il y en a un qui a eu un souci ici. Oh là.
刀対魔士。船着き場はその先だな。通してもらうぞ。貴様たちは侵入者か。いや、どうでもいいか。ゴーマに関わる者は全て切り伏せる。我が乱月流の剣でな。どけ、アイゼン。お前こそ下がれ。こいつは俺がやる。あ、la compétition des mâles。これは俺の獲物だ。D'accord. Alors, déjà, on va regarder lequel qui a le moins de vie. Lui, il en a 2700. 7000. 3000. Allez hop, on se fait le petit d'abord. Si vous pouviez tous attaquer le petit, ça serait bien. Non, moi je vais être sur le petit. Mais il veut plus prendre des taloches. Voilà, c'est bon, le petit est mort. Alors, il nous reste lui. Ah, le gros est mort aussi. Bon, bah c'est bon. Bon, il est condamné à crever maintenant. Ça c'est la base des JRPG, hein. Quand il y a plusieurs ennemis, il faut toujours faire les plus faibles en premier. Hein. On respire mieux. Voilà. Et voilà, une affaire rondement menée. Ah bon? 同じ技で叩き潰された。objet remporté: gilet d'ambre, initiate de l'âme. Gilet d'ambre, gilet cousu avec un peu d'ambre augmente les PV de base. Initiate de l'âme permet d'ajouter jusqu'à 2 compétences aléatoires à son équipement en difficulté normale ou supérieure. Ah, permet d'ajouter jusqu'à 2 compétences aléatoires à son équipement. Ok. J'ai toujours pas compris les initiates, hein, vraiment. Il faudrait que je regarde sur internet quand même. Ok, bah on est déjà sur le bateau là. Aizen, kayaku wa? Shikage da. Koitsu o ban El Tiago e no noroshi. Je pensais qu'il fallait qu'on monte, je sais pas. Lui, il avait un combat personnel à finir. Hein? この程度じゃ修行にならんな。だが、奴の居場所は分かった。ああ、俺の目的も清涼になったぞ。恩返しもできるし、ちょうどいいな。ああ、まあ、oui、まあ、tiens、le gosse décidément、il va être traumatisé。ん？まずかったか？別に。死神の連れにはちょうどいい。あら。これで準備は整った。開門を開門するぞ。Alors, je me fais pas aller voir à regarder la scénette, hein. Alors, il reste plus que 50 viewers. Si je la regarde, on sera à zéro. Ouvrez la porte et montez au sommet des portes. Voilà, c'est bien ça, on doit aller par là.
命がいらないようだ。効果的呪い、効果的呪い、そこよ、効果的呪い、捕らえられまい、効果的呪い、くっ、しまってもいそこだ。ça m'a emmerdé longtemps hein. Il est où le mien? Non non je... Normalement il cible le plus près quand on... Il en garde là hein. Voilà, il faut que je fasse les attaques volantes. Chasseuse de faiblesse. Le style Regensu, on s'en fout du style Regensu. Enfin, je suis désolé, mais... Quand il y aura 100 viewers en plus, on regardera une scénette, comme ça on pourra se perdre d'en perdre 50. Pour le moment, c'est un luxe qu'on peut pas s'offrir. Ou alors on se fait un combat et on regarde la scénette, ok? Qu'est-ce que vous en pensez? Il aime pas mes coups comme ça. Le petit, je le prends toujours pour un mec qui est pas avec moi. Non, j'ai changé de personnage. Trop tard. Arte caché. Attaque élémentaire à l'aide de papier imprégné de mana. Arte de Malak, plusieurs artes généralement non élémentaires. Ça pareil, à chaque fois que j'ai un tuto comme ça, je perds 10 viewers. Alors c'est moins que les scénettes, mais tout de même. La ficette a des artes de Malak, des 5 éléments, ce qui le rend efficace à tous les coups. Il est en revanche peu utile contre les ennemis résistants aux attaques non élémentaires. Il est très vulnérable à courte portée. Aussi faut-il bien le positionner et le déplacer pour lui éviter de se faire encercler. De toute façon, moi je lui ai dit de se mettre loin. Hein. Bon, on avait dit qu'on regarderait la scénette. Kenjutsu. Senaka no Odachi. Omae wa Rangetsu no chi o hiku mono ka? Na, sou da ga. Sore ga dou shita? Kushiyamata という名を聞いたことはないか。蘭月にゆかりのある鍛冶職人らしいが。なあ、桃園にあたる包丁職人の一族だが、あんた料理好きなのか？いや、一品だと聞いたんでな。贈り物に良さそうだと思っただけだ。やめておけ。Kushiyamata は呪いの包丁だ。包丁自体は立派なものだったそうだが。握ったやつは皆誰かで構わず人を切りたくなっちまうんだとさ。噂じゃ鉄を打つときに好きな女の血を使っただとか火にくべたとか言われてるが、真相は闇の中だ。エスペロン、職人どもが切り合って一族は滅んじまって、包丁は皆炉で溶かされて鉄くずになったらしい。それで串山に関する話をほとんど聞いたことがなかった。蘭月家の宿命、いや、血なんだろうな。噂以上の一族のようだな。まあ、噂以下よりはマシだけどな。OK。Bon, on est de l'autre côté là. Hein ? Je raconte pas de bêtises。J'ai pas l'impression de retourner sur mes pas. Non, c'est bon. J'ai eu peur, hein. Tout se ressemble. Là, pendant une seconde, j'ai un peu la flip. Je me suis dit, je suis en train de retourner. Allez, hop. Ok. Bah on peut ouvrir maintenant. Yoshi, aita. Ah. Ima no wa? Ban El Tiago ga chikazuite iru aizu da. Isagu zo. Wakatta. Tottoto kaimon wo akeru wa yo. Un. Tottoto. Allez.
っとと済ますぞ。火の肩で呪い効果軸呪い行けるか。ほら効果軸動輪脚起炎連脚そこや空砲絶衝撃動輪脚起炎連脚。Là on l'a foutu à terre. Et le gamin, ça serait bien qu'il attaque à distance. Hein. Je le trouve bien prêt là. C'est gentil. Ah, feuille de grâce. Feuille de papier trempée dans l'huile pour les hydrofugés. Ça doit être un truc de feu. Mais il a toujours pas. Pardon. Équipement. Papier de base. Ah oui, mais il l'a bientôt là, on va papier d'ambre. Ah, c'est tentant hein. Mais on a encore l'expertise. Papier d'ambre et feuille de grâce. Ah ouais, putain, mais la feuille de grâce, elle est vraiment terrible. Allez, on prend la feuille de grâce hein. On s'en fout là du papier de base, on le fera en plus ça donne que 5 de plus. Allez. Parce que là, du coup, il a quand même beaucoup plus de PV. Ah, par contre, il attaque moins fort. Et il a quand même plus de défense. On va voir. Non, mais j'ai vraiment envie d'avoir les compétences des personnages. Hein. Sa coche de mercure, sa coche d'ambre. On va bientôt la voir, en plus. Allez. Hein, examiner quoi. On va en avoir des pièces. Non, toi, tu m'auras pas. Non, on va essayer de jouer avec ce qu'on a. Un petit peu de lavande. Alors la lavande, évidemment, c'est pour augmenter... Faut qu'on s'en souvienne, hein, l'attaque. Donc 60. Oui, mais lui, l'attaque... on va se le foutre à nous, hein. Voilà. Hein. De temps en temps, faut être un peu... Bon, faut un peu penser à soi, hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Il reste... Ah non, c'est le pot. Voilà, c'était la fameuse échelle qu'on voyait depuis tout à l'heure au loin. Cette fois-ci, nous la montons pour de bon. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait des orbes roses et des fois des bleus. Alors, j'imagine que les roses donnent un peu plus ou les bleus. J'ai pas fait attention au chiffre initial. Vous le savez, hein, parce que vous regardez mieux. Moi, j'ai le nez dans le guidon, hein, évidemment. Alors, c'est une sacrée porte, hein. Là, le bateau, là. Ouais, ok. Allez. On va ouvrir la porte, justement. Là, j'ai vu un levier. Mais avant, hop. Il y en a des jaunes aussi. Voilà, ça doit être ça. Ah, il faut deux leviers. Oui, mais on aurait pu mettre les deux leviers au même endroit. Ça paraît logique. Ok. Bon, vous êtes prêts là, je vais faire un bon combat là. Non, il aime pas ça. Là, il se met en garde. J'ai à deux doigts de mettre en difficile, hein. Je trouve le début du jeu drôlement facile. Ah, le voilà. Et voilà. Wouhou! Quoi, il va falloir y... Alors le vent Nelsia, c'est le nom du bateau. Ok. On peut passer par là pour se barrer. Ok, mais moi je veux voir ce qu'il y a ici. C'est par où on venait?
Oui, c'est par où on venait. Décidément. Hein. Mon sens de l'orientation est pas super. Je sens le combat en haut là. Hein. Ouais. Ah, c'est le mec de tout à l'heure. Va se transformer. Attention, gamin. Merde. Prends-nous la boussole. Enculé. Salaud. Initiation combat encore. Alors, là j'ai un chiffre. Si vous dépassez 3 niveaux de votre jauge de puissance, vous pourrez non seulement lancer un arté ultime. Alors, si vous dépensez 3 niveaux de votre jauge de puissance, vous pourrez non seulement lancer un arté ultime, mais également gagner une âme. De plus, si vous tuez un ennemi avec un arté mystique, vous aurez plus de chances d'obtenir un butin. J'ai rien compris. Si vous dépensez 3 niveaux de votre jauge de puissance. Ah, ok. Si on accumule, quoi. De plus, si vous tuez un ennemi avec un arté mystique, vous aurez plus de chances d'obtenir un butin. Utilisez R1 lors d'un combo pour activer un arté mystique. LT, c'est quoi déjà? Attendez. Commande. LT, c'est quoi? LT, c'est là. Ok. Comment je me barre? Lors d'un combo pour activer un arté mystique. Voilà, c'est ça. Une fois appris les artés mystiques, permettent d'anéantir des ennemis en moins en maintenant LT lors d'un combo si vous avez 3 JP ou plus. Une fois appris les artés mystiques, permettent d'anéantir des ennemis en maintenant LT lors d'un combo si vous avez 3 JP ou plus. Oui, bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il se répète là. Ces artés peuvent dépasser les limites de combo et permettent justement de les continuer une fois le maximum de coups atteints. Les utiliser confère également une âme. Vaincre un ennemi à l'aide d'un arté mystique augmente grandement le taux d'apparition de butin. Ok. Normalement, il peut faire un arté mystique, lui. Vu qu'il a... Bon, a priori non. Non, casse-toi, gamin. Je peux pas faire d'arté mystique. Ah, il en faut 3. J'essaye de comprendre. Attendez là. On est un peu dans la merde. On va se remettre une petite gelée. Pourquoi il peut pas faire son arté mystique, lui? Il y a un petit côté Final Fantasy en fait, là on change de personnage. Oui, il n'utilise pas son arté mystique, cet enculé. Il a 3, le gamin. Bon, j'ai un peu bourriné, hein, je vais pas vous mentir. J'ai pas compris, j'avais 3 et normalement. Mais ils ont peut-être pas d'arté mystique encore, eux. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et la boussole, là, faut qu'on la récupère. C'est quoi cette tête en l'air, là?
船着き場はゴーマの巣だ。あれじゃ船に乗り込まれちまうな。時間がない。Allez, faut rejoindre le bateau. 船に止まらずに開門を抜けるよう指示できる。それなら船は助かるが、俺たちはどうする？この真下を通る船に飛び移る。Ah, carrément. On va avoir droit à une belle cinématique. Aizen, なんとか合図を。必要ない。バンエルティア号は開門を突っ切る。伝えなくても？俺も同じ策を考えた。アイフリード海賊団の流儀だ。OK. Ça va faire de belles cinématiques, vous allez voir. Voilà. Je ferai une capture d'écran d'ailleurs pour la partie 3. Certainement la proue du bateau. Où ça ? Pour la partie 4, pardon. Là, j'ai l'embarras du choix. Profitons. Vous êtes des vénards. Belle cinématique.死神に保証してほしい。ちょっと何を。え、ガマ。Reviens vite. Avec ta boussole.Pas deux fois, hein. Voilà. Elle devient de plus en plus humaine. Parce que, bon, on a gagné des niveaux. Alors, on a appris des artés. Le marteau d'eau pour monsieur. Ezen, le désordre parfait. Oh, en or. Et scission. Maîtrise de compétences. Sacoche de mercure et bracelet. Très bien. Glacis du prophète. Alors, glacis du prophète. Permet l'activation d'une compétence aléatoire augmentant le montant de JP.Emporté en utilisant des brise-âmes. Ok, oh, putain, encore un truc à lire, mais on va avoir des trucs à lire jusqu'à la fin du jeu. jusqu'à la fin du jeu, non mais. Remplir. Jauge de puissance. Remplir ces jauges permet aux personnages de libérer leur plein potentiel et d'utiliser des artés mystiques. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Une fois un arté mystique appris, maintenez LT lors d'un combo lorsque vous avez 3 JP ou plus. Donc le 3 JP, jauge de puissance. Le combo peut alors dépasser sa limite.Le meilleur moyen de récupérer des JP est d'effectuer des brise-armes. Ah, ok. Plus un arté est utilisé, plus il gagne d'étoiles. Le nombre d'étoiles d'un arté influe sur l'efficacité de compétences de titre. De même, le nombre de JP que reçoit un personnage au début d'un combat est proportionnel au total d'étoiles de tous ses artés. D'accord. J'ai compris, grosso merdo.お見事。まずは命の恩人への感謝が欲しいな。いやいや、触るなって言ったのに大砲いじって暴発させたんでしょう。そうじゃか、あれはいい暴発じゃよ。ごめんなさい。ごめんなさい。ちゃんと持ってなさい。そんなに大事なの。貸せ。進路を出す。なんせもなら、お前が羅針盤を見る。
ただし読み間違えたらサメの餌にするからな。ça fait toujours plaisir。Ah bah voilà, ça fait plaisir ça. Bah oui, tu lui ressembles, tu nous fais penser à notre petit frère. Bah vous le croyez ou pas, bah ça me touche. Ah, là, nous arrivons sur un autre continent. Ah, il fait meilleur vivre ici, j'imagine. Il va y avoir du shopping en perspective. Mais n'oublions pas notre vengeance.坊や、よかったの、サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの、海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分、ノースガンド領の流通は大混乱するはずだ。そういうの、トゥペテ、オナトゥデトゥイ。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたとか。プリゾン？タイマ氏が管理する監獄島だな。わかった。行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきましたが、お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるせいで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど。情報がボラードの見返りってわけ。ouais, c'est de la magouille ça. Il y a de la magouille là. 最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょう。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行ってもああ、セプティビジネス。アイフリードはそこにはいない。なぜそれを。私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老。いつもは本部にいるはずだよ。様はいらない。海賊版アイフリードが俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらはオートにあるのかな。うん、オートのローグレス離宮に行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろ。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。Très bien, nous sommes au port Zexon, le carrefour du commerce. Eh bien, très bien, sur cette magnifique vue, nous allons nous laisser là. Comment je peux faire pour, voilà, hop, je me mets sur Parlotte, voilà. Donc on va se laisser ici, hein. On va se laisser ici pour cette partie 4. Je suis ravi. Le jeu est très, très sympathique. Le rythme est bon. Ça me plaît. Donc prenez soin de vous. Et puis très prochainement, hein, je pense, d'ici demain ou après-demain, parce que j'ai aussi Judgment à faire, la partie 5. N'hésitez pas à suivre Judgment, hein, même de le prendre en cours de route. Je récapitule bien souvent. Puis il y a des flashbacks qui permettent de se resituer dans l'histoire. Donc on peut prendre en cours de route. C'est faisable, complètement faisable. Alors si le contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à me suivre. Ça me fera plaisir.
Ça fera plaisir à ma mère. Voilà. Je vous embrasse fort. Hein, et puis à très bientôt.